Chers élèves, on a vu dans la séance précédente que les organes reproducteurs se trouvent au niveau de la fleur. Il s'agit en l'occurrence des étamines qui forment l'organe reproducteur mâle et le pistil qui forme l'organe reproducteur femelle. Maintenant, dans cette deuxième séance, on va étudier les points suivants. L'organisation de l'organe reproducteur mâle, c'est-à-dire les étamines, et comment se fait la formation des grains de pollen. Et puis, on va étudier l'organisation de l'organe reproducteur femelle, qui est le pistil, et bien sûr la formation des sacs embryonnaires. Tout d'abord, on va commencer par l'étude de l'organisation de l'étamine qui forme l'organe reproducteur mâle. On va commencer par une observation concrète, si vous voulez, réelle, des étamines. Hein, on voit une photo ici avec les deux organes reproducteurs. Hein, vous voyez ici les étamines hein, qui libèrent le grain de pollen et le pistil là. Hein, on a ici deux espèces qui sont différentes, qui diffèrent au niveau de la longueur du pistil. Là, vous voyez des étamines qui sont très courtes avec un pistil qui est très long. Là, c'est l'inverse. Le pistil est court et les étamines sont un peu longues. Là, vous avez une photo qui montre les composantes de l'étamine puisqu'on va nous intéresser sur l'étude de l'étamine. Donc, on voit que l'étamine est formée par deux parties. Hein, la partie haute hein, qui est enflée, hein, si vous voulez, et qui forme ce qu'on appelle l'ampère. Elle est portée par une structure, par un filet. Hein. Donc, d'une façon générale, l'étamine est formée par deux parties, l'ampère et le filet. Donc, comme il a été dit auparavant, donc le filet, apparemment, il a un rôle de support. Hein, c'est lui qui supporte l'ampère. Donc, l'étamine, elle se compose d'une ampère qui est fixée au filet par un connectif. Donc, le connectif sert à relier l'ampère sur le filet. Donc, la formation pour voir de quoi est formée l'ampère, hein, puisque c'est la structure qui va nous intéresser, puisqu'on m'a dit que le filet a un rôle de structure de support, donc on va nous intéresser sur la structure de l'ampère. C'est pour cela qu'on va, comme vous voyez ici, qu'on va faire une coupe transversale, hein, au niveau de l'ampère. Hein. Là, ici, on voit une coupe, hein, au niveau, une coupe transversale au niveau de l'ampère. Hein. Donc, on voit apparemment que l'ampère est formé par deux loges. Hein. Ici, on a une loge, ici, un deuxième loge. Et chaque loge est formée par deux sacs pollinique. On va voir ça en détail dans la diapo suivante. Là, on a le connectif qui permet l'insertion de l'ampère sur le filet. Donc, l'ampère, il est composé de quatre sacs polyniques hein, qui sont pleins de grains de pollen. On va voir ça en détail. Qui peuvent être libérés après la dehiscence des sacs polyniques. Donc, là, on a un schéma, si vous voulez, de la coupe transversale de l'ampère. Ah, donc, on va essayer de décrire, si vous voulez, hein, la structure de l'ampère. On va commencer de l'extérieur vers l'intérieur. Hein. Donc, vous voyez que l'ampère est formée par une assise, enfin, par l'épiderme, hein, qui protège, si vous voulez, qui protège l'ampère. Après, on trouve l'assise mécanique. Hein, qui joue un rôle important. Il est formé par des cellules qui vont jouer un rôle important dans l'ouverture hein, des ampères ou bien des fentes qui libèrent les grains de pollen. Et après, on a un tissu nourricier. Hein, et à l'intérieur, on trouve les sacs polyniques qui renferment les grains de pollen. Hein, on les voit ici clairement. Hein, donc, dans une ampère qui est jeune, on trouve ce qu'on appelle les cellules mères, hein, les cellules mères du grain de pollen, c'est-à-dire les cellules mères à l'origine du grain de pollen.
corporelles qui vont se former après avoir suivi une division qu'on appelle la myose, qu'on va traiter après peu de temps. On voit ici également le connectif dont on a parlé tout à l'heure et qui sert également, en plus de rôle de support, hein, le maintien de l'antenne sur le filet. Il contient également des vaisseaux cribrovasculaires qui jouent le rôle dans l'apport des éléments nutritifs pour l'antenne et pour la croissance des grains de pollen. Là, on a un sillon hein, qui, si vous voulez, subdivise un petit peu l'antenne en deux parties, en deux loges. Et ici, on a la future fente de descente, c'est-à-dire l'ouverture par où les grains de pollen vont être libérés. Maintenant, on va voir notre une coupe de l'antenne, mais elle est un peu schématique. À la différence de la première, c'est qu'on a ici une antenne qui est mûre. Hein, c'est-à-dire à maturité. Donc on voit ici les fentes de licence qui sont ouvertes et qui permettent la libération des grains de pollen. Bien sûr, le grain de pollen qu'on va voir tout à l'heure forme ce qu'on appelle le gamétophyte mâle qui contient bien sûr la cellule reproductrice mâle. Donc, puisque l'antenne renferme des grains de pollen, hein, donc on va s'intéresser à l'étude du grain de pollen. Donc là, on a un schéma, si vous voulez, hein, du grain de pollen. Donc, de la même façon, on va faire une description des grains de pollen en allant de l'extérieur vers l'intérieur. On a une paroi qui est formée par ce qu'on appelle l'exyme à l'extérieur. Et puis l'intime, il faut noter ici que l'exyme présente une ornementation, comme on le voit ici. Hein, c'est très important pour certaines espèces dans le transport de grains de pollen, on va le voir après. Il joue un rôle également dans utiliser cette structure, le type de l'ornementation dont les frottes du miel, par exemple, peut déterminer l'origine du miel, c'est-à-dire là où les abeilles ont butiné à partir de ces ornementations. Donc après, on trouve à l'intérieur, on voit deux noyaux. Donc un noyau qui forme ou bien qui appartient à la cellule externe et qui forme la cellule végétative. Et là, un noyau qui est à l'intérieur d'une cellule qui se trouve interne dans la cellule végétative et forme ce qu'on appelle la cellule reproductrice. Donc globalement, on peut dire que le grain de pollen est formé par deux cellules, hein, une cellule végétative, comme on la voit ici, avec l'intime et l'exyme, et une cellule reproductrice qui est à l'intérieur de la cellule végétative. Faut pas oublier cette structure, le pore, qui joue un rôle important dans la germination du grain de pollen, comme on va le voir après. Donc en résumé, le grain de pollen est une structure entouré de deux membranes, l'intime et l'exyme. Ce dernier est perforé de pores, qui joue un rôle dans la germination, on va le voir, dans la sortie du type pollinique. Le grain de pollen, il est formé de deux cellules, une cellule de grande taille, c'est la cellule végétative, et à l'intérieur de laquelle se trouve la cellule qu'on appelle la cellule génératrice ou reproductrice. Donc cette dernière qui donne les entérozoïdes ou bien les gamètes mâles. Donc là, il faut un chapeau, on oublie de mettre un chapeau ici. Donc on peut considérer que le grain de pollen est un gamétophyte mâle, puisque c'est lui qui renferme le gamète mâle, qui produit le gamète mâle. Donc on peut le considérer comme un gamétophyte mâle, mais qui est très réduit, à la différence du gamétophyte qu'on va voir chez les plantes sans fleurs. Hein. Donc l'étamine est l'organe mâle de la reproduction chez les angiospermes et se compose d'un filet et d'un antère au sommet. L'antère est formée de deux loges renfermant chacune deux sacs polliniques contenant des cellules mères de grains de pollen dans les antères jeunes. Après maturité, bien sûr, on va plus trouver de graines de cellules mères de grains de pollen, mais on va trouver des graines de pollen dans les antères matures.
Les quatre sacs polyniques à maturité libèrent les graines de pollen suite à l'ouverture des fentes de déhiscence. Tout ça, on l'a déjà noté au niveau du schéma, on l'a déjà décrit. Donc, le pollen forme l'élément fécondant mâle de la fleur. Le grain de pollen, elle est formé de deux cellules, une de grande taille, dite cellule végétative, au sein de laquelle se trouve une petite cellule, dite cellule reproductrice ou bien génératrice. C'est cette dernière qui va donner les entérozoïtes ou bien les gamètes mâles, toujours là, il faut un chapeau, hein. Donc, on peut considérer le grain de pollen comme un gamétophyte mâle. Donc, maintenant, on va voir comment se forme le grain de pollen. Avant de parler sur la, hein, avant d'étudier la formation des graines de pollen, il est important de rappeler hein, certaines notions de la méiose et de la mitose. Donc, la méiose et la mitose, ce sont deux types de structures qui sont différentes au niveau de leur rôle. On a la mitose, comme on la voit ici, hein, on a une cellule mère à deux chromosomes. On peut l'appeler cellule diploïde puisqu'on a un nombre pair de chromosomes, c'est une cellule diploïde. On a schématisé ici une cellule avec deux chromosomes, hein, deux chromosomes simples. Alors, à titre de rappel, les chromosomes, il y a certains élèves qui n'ont pas vu qui n'ont pas étudié la génétique au niveau de l'enseignement collégial. Il faut rappeler que les chromosomes, ce sont le support de l'information génétique et qu'ils sont responsables de l'apparition des caractères héréditaires. Le nombre de chromosomes diffère selon les espèces, hein, c'est très important. Par exemple, chez l'homme, on a 46 chromosomes, hein, qui sont groupés en 23 paires. Là, pour faciliter l'étude, on va travailler sur une paire de chromosomes, hein, pour ne pas encombrer le schéma. Donc, on va travailler uniquement sur une paire de chromosomes. Donc, avant que la cellule subisse une division mitotique, c'est-à-dire avant qu'il subisse une mitose, donc les chromosomes, comme on le voit ici, vont se dupliquer. Hein. Donc, on va citer un phénomène de duplication des chromosomes, c'est-à-dire chaque chromosome sera formé par deux filaments ou bien deux chromatides. Hein. Donc, on parle de chromosomes dupliqués. Hein. Après la division mitotique, comme on le voit ici, on va avoir deux cellules hein, qui ont le même patrimoine génétique ou bien le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Et par la suite, on peut dire que la mitose, c'est une division conservatrice, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir d'une cellule mère, on peut avoir deux cellules filles qui ont le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Hein, vous voyez. Là, vous voyez un chromosome noir et blanc, là, un chromosome noir et blanc. De même, ici, au niveau de l'autre, signifie un chromosome noir et blanc. Donc, ils ont le même patrimoine génétique, la même information génétique. Donc, et par la suite, on peut déduire que le rôle de la mitose, hein, à partir de ce schéma, c'est la multiplication cellulaire, avec la conservation de l'information génétique. Hein, donc, à chaque fois, l'être vivant a besoin de multiplier les cellules, hein, d'accroître le nombre de cellules et recourt au phénomène de la mitose. Donc là, on a des cellules filles diploïdes à deuxième chromosome. Donc c'est une mitose conservatrice. Donc à la différence de la mitose, on a un autre type de division. Il s'agit en l'occurrence de la mitose. Hein, on voit que le rôle de la mitose est tout à fait différent de la mitose. Hein. Donc on voit ici au niveau des schémas, une cellule mère, hein, c'est comme le cas précédent, une cellule mère a deux chromosomes. Pour faciliter la représentation, on a représenté uniquement une paire de chromosomes. Ouais. Donc cette cellule va subir deux divisions successives. Hein, voilà. Donc avant que la cellule entame la division, il y a comme il a été dit auparavant lors de la mitose, une duplication des chromosomes.
Donc, quel que soit le type de division, hein, qu'elle soit mitose ou meiose, on a toujours une duplication du chromosome. Donc, on parle de chromosomes qui sont simples, et on va voir des chromosomes qui sont dupliqués. On le voit ici, donc on a ici un chromosome simple noir, on a ici un seul chromosome noir, mais qui est dupliqué. Hein. De même là, on a un chromosome blanc simple, mais ici on a un chromosome blanc qui est dupliqué. Donc on a ici deux chromosomes mais qui sont dupliqués. C'est pas quatre chromosomes, mais deux chromosomes qui sont dupliqués, c'est-à-dire qui sont doublés. Donc comme on le voit sur le schéma, donc au cours de la meiose, la cellule mère, hein, qui a dupliqué ses chromosomes, va subir deux divisions. Hein. On a une première division réductionnelle. Pourquoi on l'appelle réductionnelle? Tout simplement parce qu'il réduit le nombre de chromosomes, il est réduit en deux. Hein. Là, vous voyez qu'il a gardé le même nombre de chromosomes. Là, on a réduit le nombre de chromosomes. Et par la suite, on aura deux cellules filles avec un seul chromosome, mais qui est dupliqué. Hein. On le voit ici, qui est dupliqué, c'est pas simple. Après quoi, puisque les chromosomes restent dupliqués, donc il est nécessaire que la cellule subisse une autre division pour avoir enfin des chromosomes qui sont simples. D'où le rôle ou bien d'où l'intervention de la deuxième division qu'on appelle la division équationnelle. Hein, en fin de compte, on va avoir quatre cellules, c'est normal. Quatre cellules qui sont haploïdes, voilà, 1, 2, 3 et 4, quatre cellules, mais qui sont des cellules haploïdes, c'est-à-dire à un chromosome. On est parti d'une cellule mère à deux chromosomes. Ici, on va voir des cellules filles, quatre cellules filles, mais avec un seul chromosome. Comme je disais, on a travaillé avec deux chromosomes pour ne pas encombrer le schéma. Mais si on a une espèce végétale avec 16 chromosomes, on va voir des cellules filles, hein, avec 8 chromosomes, hein, au lieu de 16. Par contre ici, si on est avec une cellule à 16 chromosomes, on va voir deux cellules filles avec 16 chromosomes. Donc en résumé, donc la mitose est un processus de division cellulaire. Il permet la multiplication des cellules tout en gardant le même nombre de chromosomes et donc le même matériel génétique. Donc on va voir des cellules qui sont tout à fait identiques. Hein. Par contre, la meiose, c'est un processus de division cellulaire qui est différent un peu de la mitose et qui permet la formation des gamètes. Hein. Les cellules haploïdes qu'on a vu tout à l'heure, ce sont des cellules haploïdes qui forment les gamètes. Elles comportent deux divisions cellulaires. C'est ici. La première division, elle est dite réductionnelle. Pourquoi réductionnelle? Parce qu'elle permet de passer de deux veines un chromosome dit doublé à un chromosome dit doublé. On a réduit le nombre de chromosomes de moitié. Et puisque les chromosomes qu'on a obtenus sont dit doublés, donc il est impératif que la cellule subit une deuxième division, c'est la division équationnelle. C'est une division qui conserve le nombre de chromosomes. Hein. On passe de un chromosome dit doublé à un chromosome simple. En bilan, on peut dire que la meiose, c'est une division qui permet la formation de quatre cellules filles haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. Par contre, la meiose, c'est une division qui permet d'avoir deux cellules filles qui ont le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Donc on va s'en servir de ces données pour voir comment, parce qu'on va les utiliser lors de la formation de grains de pollen. Donc ce sont des connaissances préliminaires qui sont nécessaires pour savoir comment se forme le grain de pollen. On peut pas parler de formation de grains de pollen sans parler de division de meiose et de mitose. Donc pour le grain de pollen, la formation de grains de pollen se fait, comme l'a été dit, au niveau des anthères, on a une cellule mère diploïde, et plus particulièrement au niveau des loges, ou bien des sacs polyniques. Hein, on a, lorsque le sac polynique ou bien l'anthère, elle est immature, c'est-à-dire elle n'est pas encore nue, on trouve uniquement des cellules mères diploïdes à deux chromosomes. Cette cellule va subir deux divisions successives, réductionnelle et équationnelle, hein, qui forment la meiose. Hein. Donc la première division va donner deux cellules filles haploïdes, hein, voilà, une cellule
haploïde et une sœur haploïde, mais comme il a été dit, avec des chromosomes qui sont dupliqués, d'où la nécessité de la deuxième division équationnelle, hein, qui va donner quatre cellules. Donc, une cellule haploïde va donner deux cellules haploïdes, l'autre cellule va donner deux cellules, et par la suite, on va voir quatre cellules haploïdes qui vont former ce qu'on appelle microspores. Donc, on aura quatre microspores haploïdes. Après quoi, chaque cellule, ou bien chaque microspore haploïde, va subir une mitose. On a dit tout à l'heure que la mitose va donner deux cellules, donc chaque microspore va donner deux cellules. Et ces deux cellules vont subir le phénomène de différenciation, c'est-à-dire de spécialisation. Hein. Elles n'auront plus le même rôle puisque elles vont être spécialisées. Et on va voir deux cellules, hein, une cellule reproductrice qui est enfermée ou bien contenue dans la cellule végétative et qui vont former le grain de pollen. Donc en résumé, donc pour former le grain de pollen au niveau de l'anthère, donc on a formation de grains de quatre grains de pollen à partir d'une cellule mère diploïde. Donc en résumé, hein, pour que le grain de pollen se forme au niveau de l'anthère, il faut que la cellule mère subisse deux divisions, une division méiotique qui va former quatre microspores haploïdes. Après quoi, chaque cellule va subir une mitose, une différenciation ou bien spécialisation de cellules pour former le grain de pollen qui est une structure à deux cellules, l'une contenue dans l'autre. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la cellule reproductrice, hein, qui est très important pour nous pour la suite du cours. Donc, au niveau du sac, ou bien du jeune sac embryonnaire, ou plutôt au niveau du jeune sac pollinique, je m'excuse, chaque cellule mère diploïde, hein, subit une mitose, voilà, et donc quatre cellules haploïdes. Hein. Ces cellules haploïdes sont appelées des microspores. Chaque microspore se divise par mitose pour donner deux cellules haploïdes qui coexistent dans le grain de pollen. Une cellule végétative, voilà, la cellule végétative avec son noyau, qui renferme la cellule reproductrice, c'est celle qui se trouve à l'intérieur du grain de pollen. Après avoir étudié la structure de l'organe reproducteur mâle, donc maintenant on va entamer l'organisation de l'appareil reproducteur femelle, plus particulièrement le pistil, parce qu'on a dit que l'appareil reproducteur femelle c'est le pistil. On voit ici une photo d'une fleur qu'on a disséqué, on a laissé uniquement, on a ôté les pièces florales, on a laissé uniquement le pistil. Un petit rappel, le pistil est formé par la partie enflée à la base, qui est l'ovaire et qui est surmonté par un tube qui forme le style, et en fin de compte, à la partie haute, on a le stigmate. Donc on a ici deux types de fleurs qui diffèrent au niveau de la longueur du pistil. Donc maintenant on va entamer l'étude du pistil. Bien sûr, pour faire cette étude, on va procéder par des dissections, hein, pour voir ce qui est contenu dans la partie basale, c'est-à-dire dans l'ovaire, parce que c'est la partie la plus importante, hein. Donc on va commencer par donc on a ici un schéma, si vous voulez, du pistil, l'appareil ou bien l'organe reproducteur femelle, ouais, avec le stigmate, hein, le style et l'ovaire. Donc, bien sûr, pour voir ce qu'il y a dedans au niveau de l'ovaire, on va procéder à une coupe transversale. Donc, à chaque fois qu'on fait une coupe, c'est pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de l'organe auquel on a réalisé la coupe. Donc, cette coupe va, lorsqu'on réalise cette coupe, on va obtenir quelque chose comme ça, une structure comme celle-là. Donc c'est une photo, hein, c'est pas un schéma, c'est une photo d'une coupe au niveau de l'ovaire, hein, du pistil d'une fleur.
Donc, on voit que au niveau de l'ovaire, il y a des structures qui se répètent, hein. Donc, on peut subdiviser le, voilà, on peut subdiviser l'ovaire en des structures, hein, qu'on appelle des carpelles, voilà. Donc, on peut compter le nombre de carpelles. On voit chez cette espèce que le pistil est formé de trois carpelles, hein. Donc, par la suite, on peut dire que l'ovaire, hein, il est formé par des carpelles. Dans ce cas, en l'occurrence, il est formé par trois carpelles. Bien sûr, le nombre de carpelles, il est déjà dit ça, hein, qu'il diffère selon les espèces. Maintenant, on va voir au sein du carpelle, on va voir au sein du carpelle, ce qu'il y a, hein. Donc, on trouve deux structures, hein, on les voit ici, hein, qu'on appelle les ovules. Ah, vous voyez ça, deux ovules, mais en fait on peut trouver plus que deux, hein. Au niveau de la coupe il me paraît deux, mais il peut y avoir des ovules au-dessus ou bien en-dessous, hein. Donc on a deux ovules qui sont insérées, si vous voulez, à une structure centrale qu'on appelle le placenta, hein. On a ici le placenta axial au niveau du centre de l'ovaire, mais il faut noter ici que le placenta, sa position, elle diffère selon les espèces. Hein. Toutes les espèces n'ont pas le même placenta axial ou bien central comme ça. Mais d'une façon générale, hein, chaque ovule, elle est ancrée ou bien il est attaché à un placenta à l'aide d'un funicule qu'on voit ici, hein, le funicule. Donc le funicule, c'est la structure qui permet de rattacher l'ovule au placenta. Donc on va maintenant s'intéresser, donc on a étudié l'ovaire, on a trouvé que l'ovaire est formé par des carpelles. Maintenant on a vu que le carpelle est formé par des ovules. Maintenant on va s'intéresser à l'étude de l'ovule, hein. Donc bien sûr, là c'est une observation à la loupe, hein. C'est une observation à la loupe. Maintenant, pour voir bien sûr les détails, hein, de ce qui se trouve au sein de l'ovule, on va réaliser une coupe au niveau de l'ovule, hein, ce qui nous donne la photo C. Voilà, on voit ici les deux structures, hein, deux ovules, hein. Donc on a une ovule et une autre. Ah, donc c'est l'ovule, c'est un, donc il faut faire très attention à ne pas confondre l'ovule avec l'ovule chez les animaux. Lorsqu'on parle d'ovule chez les animaux, c'est la cellule reproductrice ou bien le gamète femelle. Là on voit que l'ovule est formé par un ensemble de cellules, donc on peut pas considérer l'ovule comme une gamète femelle. Donc c'est une structure formée par plusieurs cellules, et on va voir ce qu'il y a dedans, hein. Donc on va s'intéresser à la structure de l'ovule. Donc comme on a dit, donc l'ovule est formé par, hein, donc là on a un schéma de l'ovule, d'un ovule. Donc il est formé par des tigments, un tigment externe, un tigment interne, hein, c'est ce qu'on voit ici. Et on a le funicule, hein, le funicule qui rattache, hein, qui rattache, si vous voulez, l'ovule au placenta central ici, hein, au placenta, donc rôle de connexion, hein. Et dans la partie basse, si vous voulez, hein, on voit une sorte d'ouverture qu'on appelle le micropyle. C'est une structure très importante, dont on va le voir après. Hein, le micropyle. Et au sein de l'ovule, hein, on trouve une structure, hein, qu'on appelle le sac embryonnaire. Donc on va voir au niveau de schéma E, la structure des sacs embryonnaires, hein, la composition des sacs embryonnaires. Donc au niveau du sac embryonnaire, comme on le voit ici, au niveau du schéma E, donc c'est quoi? C'est un ensemble de cellules, hein. Donc trois cellules qui sont du côté opposé du micropyle, parce que là donc le sac embryonnaire, c'est la même structure ici, hein. Donc les micropyles sont des côtés opposés des micropyles, les trois antipodes, si vous voulez, sont des côtés opposés des micropyles, hein. Et on a deux noyaux
de la cellule centrale. Donc cette structure A forme la structure centrale. Et on a deux synergides et une cellule qu'on appelle l'oosphère. Oui. Donc cette structure en entier forme ce qu'on appelle le sac embryonnaire. Il faut rappeler ici, hein, c'est très important, que l'oosphère, hein, c'est la cellule reproductrice femelle ou bien le gamète femelle, qu'on va voir bien sûr dans le. Ouais. Donc en résumé, le pistil est l'appareil reproducteur femelle des fleurs. Elle est constituée de trois parties, le stigmate, le style et l'ovaire. L'ovaire est formé de carpelles. Ah, c'est déjà dit. Chaque carpelle contient des ovules, dont le nombre diffère selon les espèces. L'ovule contient à l'intérieur un tissu nutritif appelé le micelle, au centre duquel on trouve le sac embryonnaire qui contient le gamète femelle qu'on a appelé l'oosphère. Hein. Le gamète femelle chez les plantes, on l'appelle l'oosphère chez les gymnospermes. Le micelle est entouré de tiguments qui forment une étroite ouverture qu'on appelle le micropyle. Donc le sac embryonnaire est composé de 7 cellules. Du côté des micropyles se trouve l'oosphère, c'est la structure ou bien la cellule qui nous intéresse, hein, c'est l'oosphère, c'est-à-dire le gamète femelle. Elle est entourée de deux synergites, synergies ça veut dire deux cellules qui aident l'oosphère, hein, deux synergides. Du côté opposé, on trouve trois antipodes et la cellule centrale qui est formée par deux noyaux. Donc maintenant on va voir comment se fait la formation des sacs embryonnaires. Donc comme on l'a vu tout à l'heure chez les au niveau du sac pollinique, hein, avec la formation des grains de pollen. Donc le sac embryonnaire, elle est formée là, hein, à partir d'une cellule mère, hein, qui se trouve au niveau du micelle. Donc là, si vous voulez, on a l'ovule, hein, au niveau du micelle. Avant la formation de, lorsque l'ovule est immature, hein, qui n'est pas encore mûr, on n'a pas cette structure, on a uniquement le micelle, hein, le micelle, tissu nourricier, qui, donc à partir d'une cellule qui se trouve au niveau du micelle, hein, qu'on va appeler cellule mère du sac embryonnaire parce que c'est celle qui va donner le sac embryonnaire ou bien qui va former le sac embryonnaire, elle est bien sûr diploïde. Donc cette cellule, comme on le voit ici, va subir une méiose. C'est déjà dit que la méiose, c'est en fait un processus de deux divisions, une division réductionnelle, une division équationnelle. Donc là, on va voir la première division qui va donner deux cellules, et une deuxième division qui va donner, chaque cellule va donner deux cellules, et on va voir la formation de quatre cellules. Voilà. Ces cellules, on va les appeler, hein, des macrospores. Il faut rappeler, au niveau du sac pollinique, on a parlé de microspores, là on parle de macrospores. Macro ça veut dire grand, hein, de grande taille, macro, hein. Donc des macrospores, on le voit sur bien sûr des macrospores, il faut rappeler que ce sont des, puisqu'ils sont issus de la myose, donc ce sont des cellules haploïdes, hein, AM. Donc on est passé d'une cellule mère des sacs embryonnaires de zèle, c'est-à-dire une cellule diploïde, à quatre cellules haploïde à N chromosomes, c'est-à-dire on a une réduction du nombre de chromosomes de moitié. On va voir l'importance de cette réduction du nombre de chromosomes dans la stabilité du karyotype, c'est-à-dire du nombre de chromosomes chez l'espèce, hein, parce que chaque espèce est un nombre constant de chromosomes, et cette méiose, en plus de la fécondation comme on le voit après, va participer à la stabilité du karyotype, c'est-à-dire au nombre de chromosomes chez l'espèce. Donc après quoi, hein, on assiste, comme on le voit ici, hein, à une dégénérescence de trois cellules. Donc trois cellules vont dégénérer. Il reste une seule cellule, hein, donc une macrospore,
Ah, c'est celle qui est entourée en rouge, hein, qui est une membrane représentée en rouge. Donc, cette cellule haploïde, hein, cette macrospore haploïde, va subir trois mitoses. Donc, logiquement, puisque chaque mitose donne deux cellules, donc une cellule, lorsqu'elle va subir trois mitoses, logiquement, elle va donner huit cellules. Mais ici, on va voir formation de huit noyaux, hein, on les voit ici, hein. Ils ne sont pas séparés par la membrane cytoplasmique. On va voir huit noyaux, donc on peut les compter, c'est 3, 2 et 3. Hein. Donc ces huit noyaux, hein, vont s'organiser, hein, comme on va le voir ici, de telle sorte à former ce qu'on appelle le sac embryonnaire. Donc le sac embryonnaire. Donc les trois noyaux qui sont du côté, si vous voulez, on va commencer par le côté basal. Donc ces trois noyaux vont s'organiser, sont des côtés de micropyle. Donc là on a le sac embryonnaire. Donc des côtés de micropyle, on va avoir deux cellules ou bien deux noyaux qui vont former les deux synergides. Voilà, c'est en violet. L'autre noyau, hein, il va nous former ce qu'on appelle l'oosphère. Il faut rappeler que ces cellules sont toutes haploïdes. Hein. Les deux noyaux centres, hein, vont former le noyau de la cellule centrale. Hein. Les trois noyaux du côté opposé du micropyle, hein, c'est-à-dire ici, hein, hein, voilà, ici les cellules qui sont du côté du micropyle, là, on a les cellules qui sont du côté opposé du micropyle, elles vont s'organiser de telle sorte à former trois cellules qu'on appelle des antipodes. Hein, antipodes. Anti, ça veut dire le contraire, hein, c'est-à-dire du côté opposé du micropyle. Et par la suite, on aura la formation de ce qu'on appelle le sac embryonnaire avec cette cellule, hein, formée de huit noyaux à N chromosomes, c'est-à-dire haploïdes. En résumé, au sein d'une cellule, une cellule mère diploïde de zinc chromosomes va subir une division méiotique, c'est-à-dire une méiose, et va donner quatre cellules haploïdes à N chromosome qu'on appelait des macrospores, hein, dont trois vont dégénérer. Donc la cellule restante est une mégaspore ou bien macrospore qui va subir trois mitoses, hein, pour donner huit cellules formant le sac embryonnaire. En fait, là, c'est sept cellules, puisque deux noyaux vont former la même cellule qui est la cellule centrale. Donc c'est cette cellule. Donc deux des huit cellules restent fusionnées. Voilà, restent fusionnées pour former une cellule à deux noyaux. C'est pour cela qu'on parle de sept cellules au lieu de huit cellules, ou bien de huit cellules. Ainsi, le sac embryonnaire mature est formé de la structure de la cellule la plus importante pour nous, puisque on est en train d'étudier la reproduction, c'est l'oosphère, et qui est le gamète femelle haploïde, c'est-à-dire à un chromosome, et les deux synergides au pôle micropylaire, c'est-à-dire du côté du micropyle. Et on aura du côté opposé, hein, du micropyle, on a trois antipodes au pôle opposé. La cellule centrale est formée par deux noyaux. Donc, en conclusion, on a rappelé, hein, on va rappeler ce qu'on a vu, ce qui est important dans le, hein, on a étudié l'organisation de l'appareil génital mâle et femelle, ainsi la formation du grain de pollen qui renferme la cellule reproductrice mâle, hein, c'est très important. Donc pour l'instant on a su où se trouve le gamète mâle, hein, donc il se trouve au sein du grain de pollen.
et la formation des sacs embryonnaires qui renferment la cellule reproductrice femelle ou bien le gamète femelle qu'on appelle l'oosphère. Donc c'est très important pour nous puisqu'on a déterminé les structures qui renferment les gamètes mâles et les gamètes femelles. Donc on le voit ici, donc on peut dire hein, de façon claire et logique que le gamète mâle est contenu dans les graines de pollen formées au niveau des antères. Hein. Et la cellule reproductrice femelle, le gamète femelle, elle est contenue dans elle est formée dans l'ovaire et plus particulièrement au niveau de l'ovule et plus particulièrement au niveau du sac pollinique. Dans le sac embryonnaire plutôt, je m'excuse, hein, c'est pas sac pollinique, mais des sacs embryonnaires, je m'excuse. Hein. Dans la prochaine séance, Inch'Allah, on va étudier le phénomène qui permet bien sûr, là on voit ici le pollen, le grain de pollen qui tombe sur le pistil. Donc logiquement c'est pour favoriser la rencontre des gamètes mâles contenus dans le grain de pollen avec le gamète femelle contenu dans l'oosphère ou bien dans le sac embryonnaire. Donc dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va étudier le phénomène qui permet la rencontre des gamètes mâle contenu dans le grain de pollen avec le gamète femelle contenu dans l'ovaire et plus particulièrement dans le sac embryonnaire pour bien sûr favoriser la transformation, si vous voulez, de la fleur en fruit contenant les graines. Et à bientôt.